Bonjour, alors aujourd'hui on va voir comment exprimer son point de vue sur un livre avec des arguments. Ce qui sera évalué, ce sera la qualité de tes arguments, quel que soit le point de vue que tu défends. Il faudra donc réfléchir aux différents aspects dont tu veux parler, puis organiser les arguments et enfin illustrer ces arguments par des exemples du livre précis. Pour commencer, je te conseille d'écrire au brouillon ce que j'ai aimé d'un côté de ta feuille et de l'autre côté ce que je n'ai pas aimé de l'œuvre que j'ai lue. Tu peux te demander par exemple si tu as été ému par l'œuvre, est-ce qu'elle t'a fait rire, est-ce qu'elle t'a rendu triste, est-ce qu'elle t'a intéressé, est-ce qu'elle t'a choqué, est-ce qu'elle t'a surpris, etc. Demande-toi aussi à quel genre appartient l'œuvre que tu as lue. Est-ce que c'est un récit? Est-ce que c'est de la poésie? Est-ce que c'est du théâtre? Est-ce que c'est un genre argumentatif? Vient ensuite la question du style. Comment mon livre est-il écrit? Parler du style, c'est utiliser vos connaissances que vous avez apprises sur le genre que vous avez étudié en classe. Par exemple, si c'est de la poésie, vous pouvez parler de l'originalité de l'écriture, des jeux sur les sons, des harmonies, du rythme, de la musicalité, des images créées. Demandez-vous quel langage est utilisé. Demandez-vous si c'est du langage plutôt courant ou au contraire si les mots sont très recherchés et très élaborés. Demande-toi si le rythme est actif, soutenu, est-ce qu'il y a beaucoup de rebondissements, d'actions ou au contraire c'est un rythme plutôt lent qui s'arrête sur tes descriptions, qui prend son temps. Enfin, rendre compte d'une œuvre, c'est aussi dire ce qu'on y a découvert. Est-ce que les thèmes étaient originaux et bien traités? Est-ce que l'auteur a vraiment créé un univers qui était bien à lui? Et d'ailleurs, que sais-je de cet auteur? Qu'est-ce que je peux en dire? Évitez les arguments du genre le livre est trop long, ou bien les lettres sont trop petites, ou bien simplement c'est bien écrit. Ce n'est pas assez riche et vous pouvez élaborer davantage votre argumentation. Finalement, rendre compte d'une œuvre, c'est dire quel plaisir tu as pris à ta lecture et quel est le plaisir que tu as de la partager. À bientôt!